que je vais en manquer pour faire du verre? Ah, bah c'est la pluie qui m'a juste arrêté en fait. Je vais dire, je viens de passer le mur de la pluie ou je sais pas quoi. Mais... En fait, elle s'est juste arrêtée. Ou déplacée même. Je sais pas encore comment on marche exactement la pluie. Plutôt comment elle est censée marcher. Marcher. Ouais, des fois, quand je suis fatigué, vous êtes un peu au niveau des faits. Carte? Well. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de se balader tout le temps avec la carte. Hein. De temps en temps, vous la sortez, ça fait apparaître la zone dans laquelle vous êtes. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Oh non, ça recommence. Ah bon, je rigole, mais ça arrive aussi en vrai, donc... Bon, je pense que j'ai quand même suffisamment. Faut aussi que j'aille chercher du bois. On va jouer les Shining Guys. Ouais, effectivement, avec la pluie, il y a une espèce de brouillard. D'ailleurs, ça ferait bien quand même que je me refasse une montre, parce que bon, celle qui a cramé dans le lab, j'ai toujours pas remplacé. Et bon, l'or, j'en ai besoin pour faire les vidéos sur les minecart. Donc bon. J'ai juste ce qu'il faut. Je vais pas me permettre de le dépenser pour m'en faire une montre. Ce qui est assez dommage. Alors il y a quelqu'un qui m'avait dit que ma technique de si je peux je monte au-dessus de l'arbre pour le couper, il a trouvé ça marrant. Moi j'aime bien, comme ça ça permet de changer. Au lieu d'une coupe ascendante, on fait une coupe descendante. D'ailleurs je pense que je peux le refaire là, je peux passer sur l'autre. Avant que peut-être que les feuilles ne disparaissent. Oui, j'ai encore 2-3 arbustes. J'aurais dû faire un arrêt par ma maison pour mettre directement le bois. Le sable à cuire. Donc là, l'espèce de tranchée que vous voyez, c'est parce que je suis en train d'entre guillemets sécuriser au maximum mon île. C'est-à-dire que là, je vais mettre en fait un mur de 2. Ça empêchera tout ce qui est zombies, squelettes et creepers à monter. Même si, bon, avec toutes les torches que j'ai foutues, j'en ai jamais vu arriver dans cette île. Le plus gros danger, à la limite, ça serait les araignées, mais bon. Voilà, quoi. Je vais planter un arbre, d'accord. Alors, j'ai quasiment 19, ça fait pas grand-chose encore. J'ai déjà m'occuper des fenêtres. Et après on verra bien, mais je pense que j'aurai déjà 2-3 arbres qui vont pousser, ça me permettra d'obtenir assez de bois. Parce que les marches, ça consomme énormément de bois de façon générale. Et ouais, non, je vais mettre 2 étages de bois. Ça me permettra de casser un peu le schmilblick. Alors. Ici. Hop. Il me faudrait un peu plus de charbon. Ah, c'est tout l'avantage d'avoir 4 fours, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Tout le reste. Allez. Alors, normalement, je pense que un de charbon, ça fait cuire 10 trucs. Des objets, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr à 100%. Ensuite, comme déjà je vais mettre des pavés de verre, je vais pouvoir me permettre de faire des fenêtres beaucoup plus grandes.
ça fera beaucoup moins austère. Ouais, je l'avais déjà dans mon inventaire, donc ça veut rien que je le déplace, mais bon. Voilà, là on va faire pareil. Grande fenêtre de 3. Ça fera beaucoup moins bastion. Ici, une grande fenêtre de 4. Allez, soyons fous. Je pense que je l'avais déjà dit dans la vidéo de la ma ville. Mais en fait, si vous voulez faire quelque chose de beau et de stylé, en fait, il suffit tout simplement de faire quelque chose de complètement inutile. De bien fait, mais inutile. Genre voilà, la fenêtre de 4, c'est complètement inutile. Mais qu'est-ce que ça fait classe. Je vais mettre aussi une petite fenêtre là. Et ici une de 2. Je tombe un peu de cobblestone, mais bon. C'est pas ça qui va me gêner. Tiens, go, si tu regardes cette vidéo, voilà toute l'utilité d'avoir 4 fours. Enfin bon, je pense que le message a été déjà bien passé. La torche, on va la monter d'un cran. On va faire une fenêtre de 3. Voilà. Ouais, c'est... C'est ça, vous... J'avais mis des... J'ai mis 16 à chaque fois, donc ouais, c'est ça, c'est... Ça fait cuire 8 blocs. Et là... On va mettre une de 3. Puis on va boucher ce trou. Voilà, bah voilà, ça fait déjà plus accueillant, plus chaleureux, plus mieux quoi. Genre même si je mettrais pas une fenêtre de 3 mais complètement sur le côté. Et là je mettrais une petite fenêtre de 2, comme ça ça ferait bien, bien entrer. Ouais, je vais faire ça. Mon dieu, je casse du verre. Sacrilège, on ne casse pas du verre. C'est une ressource qui est si compliquée à avoir. En même temps, je dis ça, mais j'avais une partie où j'avais quasiment pas de sable et à chaque fois que je pétais un carré de verre, je devenais fou. Mon échelle est toujours utilisable, c'est bon. Bon. À ce niveau-là, je pense que tout a été fait. Et le soleil se couche déjà. On n'a même pas eu le temps de voir la journée. Ma hache. Est-ce que... Non, ça n'a pas l'air d'avoir trop poussé. Du coup, c'est dommage parce que... Je peux pas aller piquer des arbres à droite à gauche du coup, là. Si la nuit tombe. Par contre, petite chose, moi et d'autres utilisateurs de Minecraft, on a trouvé qu'en ce moment, ils pompaient plus de ressources. Alors, s'il y en a d'autres qui ont constaté ce tas de choses, bah, dites-le dans les commentaires, parce que on commence quand même à se demander si on ne devient pas fou, parce que bon... Je veux dire, quand il pleut, ok, mais des fois, mais même sans rien faire de spécial, je trouve qu'ils pompent plus de ressources. Ouais, je vais me taper cet arbre là.
façon de parler. Je regarde s'il n'y a pas un autre tronc qui peut passer dans cette feuille. Il y a souvent des petits cachets à droite à gauche. Il y a une torche en train, ouais. Parce que je vois pas grand chose là. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Je peux remonter ici aussi. Là également. Il y a les petits arbustes qui sont apparus. Parfait. C'est un grand arbre. Quoi que je peux encore le tailler, là ça va. Ouais, c'est bon. Et je crois qu'il n'y a pas de tronc encore. J'ai eu du bol. On entend la porte du laser. En tout cas, moi je l'entends. Toujours demandé qu'est-ce qui se passe si on est sur un arbre et que d'un seul coup il se met à grandir. Est-ce qu'on se prend des dégâts? Est-ce qu'on se retrouve tout en haut de l'arbre? Parce que ça peut être un truc marrant à faire ça. Ça fait quand même chier pour l'ascenseur à, pour mon ascenseur à eau quoi. En plus il venait juste de passer en version 1.2 avec descente de bateau. Parce que du coup, pour être remonté ma rapide, à part en faisant des minecarts et en les faisant remonter en spirale, là maintenant il n'y a plus rien quoi. C'est dommage. Même de là, ça fait quand même mieux que les petits carrés à la con. Ça faisait vraiment le truc de le poste avancé de la dernière chance quoi. Ah, ça c'était ma chaise, si vous l'avez entendu. Alors que là, ça fait déjà plus accueillant. Bon. Pas d'un arbre qui veut le pousser. Non. Ah, si. En plus, avec l'eau, vous allez pas dire que vous avez pas assez pour repousser, là. C'est bon, c'est arrosé. Je viens de penser que j'ai encore un peu de poudre d'os. Mais bon. Ouais, il arrêtait de pleuvoir. Et là, il repleut. Non. Je pense que largement assez. 49. Ça fera peut-être un peu quand même. C'est quoi ça? Brown wall. Pourquoi est-ce que j'ai la laine marron? Quand. J'ai rien d'autre à laisser. Bon, des pouces.